Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur PUBG New State qui vient enfin de sortir du coup sur iOS, sur Android, sur toutes les plateformes mobiles en fait. Donc bref, c'est le nouveau PUBG mobile. Il y a toujours l'ancien PUBG, mais donc celui-là c'est un nouveau. J'ai pas trop compris la différence et le pourquoi du comment ils en ont fait un nouveau. Mais bref, j'ai déjà fait du coup quelques games en solo, histoire de skip un peu les parties avec les bots, parce que comme tous les Battle Royale et beaucoup de jeux comme ça, au début on a des games avec des bots et du coup c'est à peu près zéro fun parce que c'est top 1 assuré. Et voilà, on va lancer une petite game histoire de vous montrer du coup le jeu. Par contre, déjà j'espère que la musique elle est pas DMCA, sinon je vais avoir des ennuis. Est-ce qu'on se lance dans Erangel ou est-ce qu'on se lance sur la map classique, parce que Troy, je sais pas comment on dit. C'est relativement chiant. Ouais, j'ai fait quelques games là-dedans, la map elle est gigantesque, c'est ultra chiant. Je peux sélectionner ça et désélectionner ça. Ah, vous savez quoi, je vous propose Erangel. On va découvrir, mais si je dis pas de bêtises. Non, par contre, est-ce que je lance en solo? Je vais lancer en solo. Vas-y, je vais lancer en solo parce que en vrai de vrai, j'ai lancé des games avec des mecs. Et il y en a, ils font que troller, genre c'est pas, ils sont nuls, c'est juste les mecs trollent en fait. Genre ils vont faire exprès de faire péter les bagnoles, ils vont pas tirer comme voir des ennemis, etc. Mais genre exprès, pas juste pas ils sont nuls ou pas c'est des bots, juste les mecs le font exprès, genre vraiment. Et du coup c'est zéro fun, donc bref, c'est une petite partie solo, le match débute dans 50 secondes, donc ouais, ça c'est le problème. J'avais joué du coup au PUBG Mobile, le premier, le classique on va dire. Et le seul défaut que je trouve au jeu, parce que je kiffe le gameplay, etc., c'est que les parties sont relativement longues. Et je m'attendais à avoir... Ah mais en fait, Erangel, c'est la map de base. Je crois que c'est la map de base de PUBG. Je m'attendais à ce que sur le nouveau, ils aient un peu réduit le temps des parties, etc. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Vous allez voir, c'est toujours aussi long. Enfin, toujours aussi long. C'est long quoi. Donc ouais voilà, puis en plus de ça on a vraiment un lobby, c'est vraiment le lobby à une minute quoi. Par contre, ah non, ça c'est juste mes vêtements. Non mais attendez, je veux remettre mes vêtements là, je veux pas être en slip en fait. Voilà, je veux pas être un nudiste. Oh, toi aussi t'as des cheveux bleus. Viens, on va se taper. Donc ouais, après pour info, j'ai mis tous les réglages au max je crois dans les graphismes. Si je dis pas de bêtises, commande véhicule, graphisme. Donc ouais, j'ai tout au max, je suis sur iPad Pro là, j'ai eu zéro lag, zéro chute de FPS, zéro problème ou quoi. Même dans les games où ça va acheter des molotovs, ça va acheter des trucs, etc. Et voilà, par contre, je sais pas où on saute. Je sais pas du tout où on saute, là on est 83 actuellement. On est 100 dans la game. Oh, Pushinski, ça saute sur la gueule. On va sauter à Pushinski, je sais pas du tout quand il faut sauter par contre. Pushinski, je pense qu'on va sauter maintenant, tiens. On va aller par là-bas, normalement il devrait y avoir du monde. Je dis bien normalement, parce que j'espère aussi que c'est pas encore une game avec des bots. Normalement c'en est pas. Les derniers games que j'avais fait, il n'y avait pas de... C'était des games normales. Les gens jouaient... Les gens intelligents jouaient normalement et les autres cassaient les bonbons, quoi. Mais vas-y, on va tenter. Par contre, ouais, normalement Pushinski, il y a du monde qui saute là-bas. Je sais jamais me repérer avec le parachute quand est-ce qu'il faut sauter, quand est-ce qu'il faut pas sauter, etc. Et je pense qu'on pourrait aller à School après, parce que je crois que School... Alors je suis pas un expert, hein. Désolé s'il y a des experts de PUBG, etc. Mais je crois que School est pas loin de Pushinski. Parce que j'ai pas trop de repères sur la map et tout, je connais pas par cœur la map. Ouais, voilà, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ça va se castagne. Par contre, j'ai sauté sur un toit, il y a un mec juste en dessous. Est-ce qu'on peut... perdre des PV, oui, visiblement on peut perdre des PV totalement. Donc j'ai mis un automatique au niveau du ramassage, ça j'ai laissé le truc de base. Vas-y, tiens, on va servir de ça. Je me fais tirer dessus déjà ou c'est pas sur moi que ça tient? J'aurais bien aimé trouver une rifle par contre au lieu de trouver une SMG de mort là. Ok, donc il y a du monde partout, mais moi j'ai pas encore vraiment d'armes. Juste une vieille SMG un peu moisie du fion. Je peux sauter là? Yes. Ah, je voyais le truc en face. Dommage. Dommage, dommage. Ok, ça tire de tous les côtés. Hop. Il y a un système de tunas aussi qu'on peut ramasser. Mais je sais pas vraiment à quoi ça sert. Non, je voulais m'accroupir. Je voulais pas me... Faut que je change ces touches-là aussi. Faut que je change ces touches-là. Hop. Ah, il y a un mec là. Il nous a pas vu. Ou alors, il nous a vu. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, monsieur. Il a un pont, par contre l'ascar on prend, hein. L'ascar on prend direct. Prends l'ascar frère. Comment je fais pour ramasser l'ascar? C'est bon, j'ai ramassé l'ascar, on a ramassé des balles également.
Hop, allez, on se casse. Où est-ce qu'il y a du bruit? J'ai l'impression qu'il y a un Almano qui va monter par l'escalier là, non? Hop, tu dégages. Complètement fou lui. Est-ce que je peux te looter? Ok, good. Par contre, je suis à 50 PV, 2 secondes, on va se heal. Par contre, je connais pas le système de heal de PUBG, je crois que les bandages, ça s'arrête à 75 PV. Si je dis pas de bêtises, les bandages s'arrêtent à 75 PV. Je vais faire un truc également, je vais augmenter le son parce qu'en fait, il est fort que dans le lobby. Il est fort que dans le lobby. Et je sais pas à quoi servent les canettes. On va s'en servir, mais je sais pas comment je fais pour me heal au-delà de 75 PV, genre. Ok, ça se bagarre juste à côté de nous. Tiens, il y a un gros truc de soin là. Y a pas des hombres en face. Personne. J'avance en mode poussi, hein. Ne jugez pas s'il vous plaît. Mais je préfère rester safe. Bon, vas-y. En fait, on va pas rester safe du tout. On va courir. Y a pas une porte qui s'est ouverte? Ou alors c'était moi. Ok, juste à côté. On peut passer là ou pas? On peut pas passer? J'ai pas passé, j'ai tiré. Je me suis fait griller! I am grilled. I am grilled. Ok, le frérot il est juste en face. On va sortir, on va aller le chercher. On va aller le chercher. Comment je sors de cet endroit de mort en fait? Tu dégages. Je sais pas qui s'apprêtait à faire lui, complètement fou. Ah ouais! Ça s'est bagarré là! Oh, il y avait un T3 en plus, trop bien, merci pour le bulletproof T3 frère. Ça nous met yinde. Hop, donne la caisse. Donc ouais, le ramassage auto, hein, classique. Classique de certains Battle Royale mobile et classique de PUBG aussi. Ça met bien. Ça évite d'avoir à se trimballer dans l'inventaire et tout. Par contre, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. À mon avis, le mec est en train de chercher à se barrer de quelqu'un. Dommage, il la décale. Petit headshot, ça nous a bien mis. Par contre, attends, qu'est-ce que ça m'a proposé? Gilet de polystère? Non, T1 OZEF. T1 OZEF, je crois qu'on a ramassé un T2. Attends, pourquoi je cours à moitié? Il y a un bruit de voiture. Hop, il y a un bruit de voiture, mais je sais pas où elle est passée la voiture. Je suis à 84 HP. Faut que je trouve. Je sais pas comment on fait pour celui-là en fait. Enfin, je sais que les bandages quoi, mais au-delà de 75 PV, comment on fait? Je crois pas que la boisson énergétique elle redonne beaucoup de PV. J'ai 84, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les painkillers? Les painkillers ça fait quoi également? Oh putain, je suis vraiment un noob. Je suis vraiment un noob. Par contre, je crois que j'ai une x8. Ah, j'ai une x3. En fait, il me faut une x2. x3, j'aime pas, c'est trop grand et la scar elle a pas de stabilité et du coup, c'est vraiment pas ouf. Faudrait que je retourne sur les loots des frérots, voir s'il n'y a pas une x2 qui traîne. Parce que x3, c'est vraiment trop grand pour. Pour moi. Ok, visiblement j'aurais pas le loot. On va essayer d'aller chercher le gars. Après il me tirait peut-être pas dessus. Il y a un monde où le mec me tirait pas dessus en face. Et juste il a dû misclick. À mon avis c'était un gars qui était en train de loot et il a misclick. Attends, il est pas là-dedans par hasard. Comment on monte dans cette maison? Monte par là. Non. Ok, je le voyais par là. Putain, je sais pas où il est. Je crois que c'est un gars qui a juste misclick en fait. Il a pas voulu me tirer dessus à mon avis. Ça marche. Il marche par là. Il est dehors. Il est là. Us! Us! Tu dégages. Hop! Bon, faut que je finisse de recharger moi. Y'a pas un. T'as pas un x2! Putain, un x6, x3, fait chier! Dommage. On va se casser. On va se casser, on va se casser. Par contre, je connais pas du tout le système de map. Y'a school au-dessus. On va peut-être se diriger vers school. Mais je vais y aller en marchant parce que si j'y vais en véhicule, je me connais, je vais mourir dans le véhicule, je vais sauter, je vais tomber comme un singe. Par contre, je vais switcher le. Comment je fais pour switcher le pompe et la scar? Je veux pas switcher le pompe et la scar de place? Pas grave. Ah, mais c'est un deux coups le pompe, quel enfer! Je vais garder la scar en main.
Ok, antibiotiques. Antidouleur pour antibiotiques derrière. Hop. Par contre, je suis revenu à 100 PV. Donc il y a soit l'antibiotique, soit l'énergie drink qui m'a ramené à 100 PV. Ok, je sais pas lequel des deux du coup. Je pense que je ne le saurai jamais. J'ai ramassé quoi, un silencieux? Ah non, seringue d'adrénaline. Ok, je crois que j'avais ramassé un silencieux. Hop. Bruit de voiture par contre. Ah non, bruit d'avion. Où est-ce qu'il y a l'avion? Eh, l'avion, par contre, si on peut choper un drop. Ok, par là-bas. Il est loin, non? Et je suis dans la zone rouge. Vite, je me casse. Non, par contre, ça aurait pu être bien là de trouver un véhicule vu que je suis dans la zone rouge en vrai. Ça aurait pu être bien. On va peut-être jouer l'airdrop en vrai, il y aura peut-être du monde dessus. Peut-être le jouer juste pour essayer de choper du monde. Je vois que ça se fight, il y a moyen que ça se fight dans les parages. S'il vous plaît, juste pour un peu d'action quoi. Je prends pas d'action. Par contre, le son en vrai, le son est ultra propre. Ah bah, il y a un mec en face. Il y a un mec dans la maison. Il y a un mec dans la maison, il était à la terrasse et tout, tranquillou, petite clope. Est-ce que je fais pas un code rush aux pompes? Il a combien? Excuse-moi, il a combien de PV? 2 PV? C'est une honte. C'est une honte. Là, franchement, ce qui s'est passé, ça aurait pas dû se passer. Bref, on va quitter le lobby. De toute façon, hey, c'était bien, c'est une partie rapide. Ce que je disais, PUBG, les parties sont vraiment longues. C'est limite chiant. Et là, c'est bien. Il y a eu un peu d'action et tout. 2 PV, le frère, s'il te plaît. 2 PV. En vrai, j'aurais pas dû décaler. À mon avis, si j'avais continué de tirer, si j'avais pas décalé à la fin, on l'aurait tué. Donc, bref. Hop, on va retourner au lobby. Par contre, je vais baisser le son du jeu parce que dans le lobby, il est ultra fort. Après, histoire de vous présenter le jeu, il y a eu des récompenses d'ailleurs, mais sauf que ça a bugué hier. Eh bien, je crois qu'ils les ont enlevés. Nouveau succès terminé. Ok. Ah non, je vais éviter de linker mon Facebook ou quoi. Il y a un Battle Pass. Il y a un délire de récompense quotidienne. Un peu comme d'hab. Hein, genre, vous avez des tirages quotidiens gratuits, des trucs, etc. Comme ça. Et là, j'ai obtenu 300. 300 BP, je ne sais pas du tout ce que ça fait. J'ai récupéré des trucs, mais c'est le deuxième jour. Et j'ai récupéré une petite médaille, c'est cool. Il y a des gachas de skins d'ailleurs, je ne connaissais pas. J'avais déjà vu, etc. Mais j'avais jamais. J'avais vu des vidéos, quoi. J'avais vu des vidéos avec des mecs qui pack, etc. Mais j'avais jamais vu ça par moi-même. Après, je suis pas. Je suis giga fan hein, des skins en général. Mais là, pour le coup. Genre, t'as un peu grillé, quoi. T'es un petit peu grillé si tu te bats avec ça, quand même, t'es un minimum grillé. Voilà, celui-là, à la limite, il est marrant. Mais disons que, ouais, tu te fais vite voir, quoi. Après, c'est un peu le but, en vrai. C'est un peu le but, comme ça, t'es sûr qu'il y a du combat et tout. Mais, la gueule des skins. Hop, hop, hop. Donc, ouais, il y a des trucs. Il y a des trucs, il y a des trucs. Hop, et après, il y a un battle pass. Si je dis pas de bêtises, qui est ici. Comme d'hab, hein, il y a des skins, il y a des trucs gratuits, etc. Il y a des quêtes quotidiennes, j'imagine. Yes, on a même validé d'ailleurs. Incroyable. Donc, hein, comme d'hab, hein, version payante, version gratuite. Et là, j'ai reçu une icône de profil. Eh, trop bien l'icône de profil en vrai. Du coup, je peux changer mon icône de profil. Ah ouais, je suis grave content d'avoir réussi à récupérer ça. Franchement, c'est le meilleur truc que je voulais et c'est trop cool. L'icône de profil, vraiment, ça régale. Donc ouais, je vous abandonne là-dessus en vrai. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a différents serveurs, il y a d'autres trucs après, mais du coup, comme je l'ai dit, je le répète, je vois pas la différence avec le PUBG classique. Je sais pas quelle est la différence, il y a juste cette map là qui je crois n'est pas sur le PUBG classique, du coup 3 ou 3, je sais pas comment on dit. Après il y a un terrain d'entraînement, j'y suis pas allé, moi je vais juste me foutre sur la gueule et me taper avec des mecs. Mais voilà, par contre la solo est vraiment cool en vrai. Le truc à 4 est un peu. Je suis pas fan du gameplay. Il y a un système de succès également, mais après de toute façon, jeu mobile classique. PUBG, New State. Du coup il y aura peut-être des trucs de. J'en ai aucune idée. En vrai, je le répète, hein, mais pff,
aucune idée de pour quelle est la différence avec le PUBG normal. Je n'en ai pas la moindre idée. Ça reste cool à jouer. Le graphiquement, c'est ultra propre, pas de lag, pas de problème ou quoi. J'ai même joué sur le tel et tout, il n'y a aucun souci. Mais voilà, ça reste sympa. Après, il faut aimer faire des games qui durent 30 minutes. Et heureusement que la partie n'a pas duré 30 minutes, parce que ça me m'aurait gavé au bout d'un moment. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous abandonne là-dessus. Moi, j'aimerais lancer une petite solo queue juste pour me foutre sur la tronche. Et on verra bien ce que ça donne. Et voilà, je vous en donne là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. À la prochaine. Salut, salut. Bye bye.